Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Ah, bonsoir ma petite sœur Amélie, la glutabos. Comment vas-tu? Depuis ta position purge à pape. Rodriguez, Mel, partagez, partagez, partagez. On va exploser le live. Mon ventre n'est pas le cabinet. Du on descend, ni. Vous savez, depuis que je suis rentré des États-Unis, j'ai toujours ce tic-là. Hein? J'ai toujours ce tic-là d'ajouter un peu d'anglais dans mon français. En fait, on appelle ça angliser le français. Comprenez ça? Nous, on était à l'école. Hein? Partagez. Partagez. Avant que je commence à m'excuser, parce que je sais, je vous ai fait attendre longtemps. Mati Bicor, quand elle est là, c'est que le live est sécurisé. Non seulement les justiciers sont là, les PTT sont là, la famille est là, la famille, la vraie, elle est là, la famille de Meta est là, les amis sont là, les menteurs et les manipulateurs guettent par les fenêtres et les waka guettent par les fenêtres, je le sais, mais nous allons causer ici en famille. Et ces trois personnages que j'ai cités, Waka manipulateur, voleur, m'écoutent par la fenêtre. Vous allez seulement m'écouter. On va faire comment? Bia Boya. Le bon là. Hein? On est dedans. On est dedans. On est dedans. Patricia Flex Ruinard. Comment vas-tu? Partagez la famille. Partagez la famille. Merci, merci, merci Mado. Je suis de retour, je suis rentré, ça fait, je vais à ma deuxième semaine. Oh, ma fille Nicole Ketia, elle est là, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir des enfants comme ça qui sont percutants. Purge à pape. Elle ne manque jamais. Partagez la famille. Mais bien sûr que la famille est là et ça ne souffre d'aucune contestation. N'est-ce pas? N'est-ce pas la famille? Partagez s'il vous plaît. Partagez, il est 21h. Nous nous sommes pétés et on bosse demain. J'ai pris beaucoup de temps. Vous savez, quand on part un week-end, on revient, on a des choses à faire. Faut déjà formaliser certaines choses parce qu'après le direct, je dois vite aller me coucher parce que moi, je me réveille à 5h30 du matin pour aller au travail. Vous voyez la différence? Rebecca Conan. I love this game. I don't know which game you talk, but sometimes, I like it. Sometimes, no. Hein? I'm not a player. I'm a truth man. Do you understand me? Partagez la famille.
les justiciers, les PTT. Je n'appelle pas les mamounes ce soir parce que tout ce week-end, les mamounes ne m'ont pas reconnu. Donc, j'ai un sérieux problème avec les mamounes. Donc, si vous êtes même dans mon direct, là, sortez. Les mamounes, sortez de mon direct. Ce soir, je ne partage rien avec vous. On a commencé la guerre. On va rester en guerre. Yao Messan. Amélie, l'Amérique est même étonnée. Tu parles de quoi? Est-ce que c'est le lait? Est-ce que je donne le lait? Hein? Moi, quand je dis les choses, je dis, hein, je suis un homme libre, de l'intérieur comme de l'extérieur. Hein? Le seul homme qui assume ce qu'il dit, parce qu'il est dans la vérité. Et depuis des années, il est dans la vérité. Moi, je danse pas la danse Bafia. Non, je connais pas. Je danse la Siko. Et quand je danse la Siko, je fais tourner mes reins. Hein? Voilà. Je ne le fais pas for before, for back. Non. I don't like this game. This game, I don't like it. Si on va devant, on va devant. Si on fait comme ça, on fait comme ça. Mais pas les deux en même temps. Hein? Yao, mais ça. Partagez la famille. Parce que ce soir, on va parler de l'actualité. Parce que ce soir, on va remettre l'église au milieu du village. Trop de menteurs, trop de manipulateurs, trop de sorciers, trop de sorcières. Il faut les combattre. Parce que nous devons vivre ensemble. On n'a pas le choix, ils sont là. On doit les combattre. On doit seulement les combattre. Et on va seulement se combattre. Et avec votre appui d'ailleurs, parce que je vous fais confiance, vous êtes des, ça je le sais, je peux compter sur vous. Donc partagez la famille. Ce soir, on ne va pas faire 4 heures de direct. Depuis le dernier direct des États-Unis, il a fait 9 heures, c'était le record de direct. 9 heures de direct, direct même était étonné. Moi, en fait, ce qui m'a donné la force de faire 9 heures de direct, j'ai joué, c'est pas moi qui ai joué, mais c'est mon corps qui a joué avec le changement de temps, tu vois. Donc au moment où les autres étaient fatigués, c'est à ce moment-là mon corps se réveillait. Parce qu'il y a ce changement d'horaire qui fait que j'étais très fit à une certaine heure. Où là-bas, aux États-Unis même, on dormait. Non, je vais dire en Europe, on dormait. Et puis moi, vous voyez, ça a pris beaucoup de temps, mais ça va. Donc, j'ai affiché ce record, 9 heures de direct. Et pas n'importe quel direct. Le seul direct qui a mis tout le monde d'accord. Même les protagonistes sont d'accord. Ceux qui m'ont écouté sont d'accord. Les promoteurs sont d'accord. Dans 9 heures de direct, c'était pas pour rien. Oh, Big Manager, depuis Washington, D.C. Big Manager, ma Marianne. La femme formée comme la guitare. Big Manager. Oh, alors là, je pense que dans ce direct, on va dérouler le tapis rouge. Alors là, ce direct, on va dérouler le tapis rouge. La star est là. La star des PTT est là.
Coquette Bizeau. Coquette Bizeau est là. La star des PTT. Envoyez les cœurs pour la star, s'il vous plaît. Elle ne sort pas très souvent. Elle ne sort pas très souvent. Et elle n'a pas tellement de temps. Envoyez les cœurs pour la star, s'il vous plaît. Coquette Bizeau est dans la place. Beaucoup de cœurs. Ah ben voilà, elle est la voix. Ah ben merci pour les cœurs, la star. Tu es un amour. Yes, Dougou. Yes. I'm back last week. Now I'm in my house, in my town. Ok? Oh, les cœurs de Nicole Kecha. Est-ce qu'on peut aimer son père comme ça? Merde. 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 Oh, Maud Biziana. Il n'y a que les cœurs ce soir. Il n'y a que les cœurs ce soir. Dites-moi un peu. Peut-être, c'est vrai que ça fait mon dernier direct date des États-Unis. Hein. Peut-être c'est le manque. C'est pour ça que vous envoyez les cœurs. Ou alors, dites-moi, pourquoi trop de cœurs ce soir? Parce que je les adore, les cœurs. J'adore les cœurs. Pourquoi autant de cœurs ce soir? Hein, l'Espagne, Nicole? Mais dites-moi, pourquoi autant de cœurs ce soir? Pourquoi autant de cœurs ce soir? J'adore les... Inondez-moi ce direct de cœur. Parce que je dois vider mon ventre. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je dois vider mon ventre? Est-ce que je dois vider mon ventre? Oh! Merci Patrick Ruinard pour les cœurs. Merci, merci. Ça réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur. Je vais déjà m'excuser. Vous savez, j'ai pris rendez-vous pour 19h. Il y a des commentaires que je ne peux pas lire. Ouais, l'homme camerounais, la femme camerounais, le hymne léger. En tout cas, on va déjà dire merci aux lions indomptables. Hein. Vous savez que nous tous, nos cœurs ont battu très fort. Hein? Nos cœurs ont battu très fort. On a tous fait des pronostics. Hein, j'ai pronostiqué pour 3-0. C'est... Je ne sais pas. On dirait que Dieu m'avait parlé ce soir. Et le matin, j'ai fait un poste de 3-0. Et on a gagné 3-0. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Une chose est sûre, on a gagné. Bravo à nos lions. Onana. Onana, you are the best. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand quelqu'un connaît, tu portes son sac. Tu connais ta chose. You are the best. Là où tu es là, goalkeeper. Tu es bien. Tu es bien. Et comme tu le sais, vous êtes tous bien, mais il y a des meilleurs. Tu es bien. Vous êtes tous bien à ce poste, mais tu es bien. Et en ce moment, tu as le brassard. Tu es le meilleur, mon frère. Reste comme tu es. Reste professionnellement professionnel comme tu es, c'est très important.
Marion Messan, mais oui, vous savez, Facebook en ce moment, c'est un peu compliqué, hein, mais bon, on va faire avec. Donc je disais, la famille, merci d'être venu. Hein. J'aurais voulu commencer à 19h, mais vous savez, Dieu, nous on propose, l'on propose et Dieu dispose, il y a toujours quelque chose à faire. Surtout quand on est parti pour un week-end. Sentez que ma voix, elle est un peu... Hein, parce que tout le week-end, il y a de la fatigue et tout. Mais quand je fais un rendez-vous, j'ai le devoir moral de le respecter, même si physiquement, je me sens un peu affaibli. Mais le devoir voudrait que, voilà, je vienne vers vous et puis que je parle. Et comme je sais que vous aimez m'écouter, ben, j'ai le plaisir de venir parler. J'ai beaucoup de plaisir à venir ici parler parce que vous m'avez dit que vous aimez ça. Et puis voilà, sans vous on est quoi? Si j'ouvre mon live là et puis je ne vous vois pas, je vais parler à qui? Donc quand vous nous donnez comme ça, de temps en temps, coup de pouce, ça nous fait plaisir. Donc ce soir, la famille, je vais parler. Hein? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Parce que la manipulation de Meta, le mensonge de Meta, bon, les Waka commencent à se comporter, ça me fait plaisir. Et commencent à se comporter, c'est déjà bien. Mais leur côté, là où elles voudraient que tout le monde devienne Waka, là, on n'est pas encore d'accord. Leur façon là de vouloir étiqueter toutes les femmes en Waka, non. Vous êtes Waka, assumez. Et c'est bien. Je constate que vous assumez déjà bien. Hein? Restez comme ça, mais ne mettez pas cette étiquette sur les autres. Les voleurs, pareil. Les voleurs, pareil. Vous êtes mondialement reconnu. Assumez d'être ce voleur et ne faites pas transformer les autres pour des voleurs. Non, ça ne passera pas. Ça, ça ne passe pas. Est-ce que je parle? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Bon, bipez-moi d'abord, je commence par là. Monsieur Ewone Ewone, Hervé. Bipez-moi, monsieur Ewone Ewone, Hervé, alias Amer Kamer. Bipez-le, vite fait s'il vous plaît. On est lundi. Allez me le réveiller. Il est temps que je lui dise ce que je pense. J'ai décidé comme ça. C'est moi qui décide quand je réponds. Et personne d'autre. Ce soir, j'ai décidé de lui répondre. Dites-moi-le, s'il vous plaît. Bipez-le, s'il vous plaît. On va commencer, on n'a pas beaucoup de temps. S'il vous plaît, on va commencer. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il est là? Je vais y aller. Bipez-moi, monsieur Olin. Bipez-moi, monsieur Olin. Parce que sur cette toile, quand tu te tais, on a l'impression que tu as peur. Look at me. You, look at me. You, look at me. 1m90. 1m90.
125 kilos. Moi, je peux avoir peur. Moi. Né en Dokoti, grandi en Dokoti. Bassa, pire et dit. Est-ce que je connais la peur? Hemlenge, moi, je connais la peur. Ou alors c'est la peur qui me connaît. Qui c'est qui connaît l'autre? La peur. On va voir ce soir. Bipez-moi, monsieur Oune, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? En tout cas, s'il n'est pas là. Ok. Apparemment, il est là. Monsieur Ewone, tu ne rentres pas dans mon direct avec un faux profil. Tu sais que je sors d'une ethnie qui n'aime pas le faux. Tu sais bien que je sors d'une ethnie ou alors je suis issu d'une ethnie qui n'aime pas le faux. Donc quand on a envie de parler, on parle à visage découvert. Ne viens pas ici avec un faux profil, je vais te détecter. Ok? Je voulais d'abord remercier tous les Bassa Batimpo qui ont pris Berlin en otage ce week-end. Vendredi, samedi, dimanche. Pour fêter les 5 ans de ce mouvement. Je dis encore un gros bravo à notre King et le jeune Gom Gom et à sa tendre épouse, la Queen Elisabeth, pour cette idée merveilleuse de rassembler un pays. Parce que l'histoire, quelquefois, on l'oublie. Le monde commence en Égypte. Les Bassa viennent d'Égypte. Très important. Quelquefois, on a tendance à oublier la vraie histoire. Et ce soir, je voulais dire ce week-end, les pharaons ont parlé à Berlin. C'était très fort. Plus de 2000 personnes réunies. Pas pour s'amuser, mais pour parler des vraies choses. Vous avez vu des figures emblématiques. Merci à l'honorable Cabral. Merci à l'honorable Cabral qui s'est déplacé pour ses 5 ans. Merci à notre écrivain, Gaston Kellman, mondialement reconnu par sa plume, qui a décidé de faire un gros livre, un bouquin, qui, je suis sûr, sera un best-seller pour le peuple Bassa, pour le Bassa Batimpo, pour notre Ndabikoko. On a mis cette histoire sur écrit. Oui. Oui, monsieur. Il n'y avait que des personnalités. Allez sur Google. Cherchez à savoir qui c'est qui est monsieur Gaston Kellman. Vous comprendrez que on n'était pas à Berlin pour une balade de santé. Berlin, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire. Et ce n'est pas un hasard si on a fêté les 5 ans là-bas. Donc je suis très heureux d'avoir rencontré tout ce monde. Une minute, s'il vous plaît. Tous ces nobles Bassa qui se sont déplacés pour cet événement. Il y avait des hommes politiques, je veux dire français. Comme Madame le maire Kaldiop, quand vous rencontrez des personnes comme ça, hein, un maire en France qui se déplace, est-ce que vous saviez qu'il y avait des maires africains? Eh bien, il y en a. En France,
Ah oui. Une qui vient de l'Égypte. Oui. Elle était là. Madame Kaldiop. Des personnalités. Sans oublier celui qui est de nouveau en train de faire rêver le peuple Bassa, Batimpo, en matière de football. Bangan Monba Diop renaît. La Dynamo renaît. Le peuple de la grotte renaît. On va recommencer à jouer au football. La Dynamo est en première division. Son président était là avec tout son staff pour honorer le peuple Bassa, Batimpo. Dans ce 5e anniversaire, il n'y avait que des personnalités. J'oublierai pas de dire merci à tous ceux-là qui se sont déplacés des quatre coins du monde, qui sont venus dire Ambassa, Rientong, on est ensemble. Rientong, on est ensemble. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés à Berlin. J'ai dit ici lors d'un direct, il n'y a pas longtemps, pendant que Samuel Eto'o était pourchassé dans des médisances qui n'ont pas de sens, j'ai dit, Samuel Eto'o est honoré par tous les Camerounais. Tous reconnaissent sa valeur. Même comme il y a toujours des brebis galeuses qui sont là à raconter des conneries. Mais la majorité des Camerounais reconnaissent son travail. Mais j'ai insisté sur le mais. Il a besoin de sa famille nucléaire. C'est important. Quand tu es célèbre et tu n'as pas ta famille auprès de toi, tu sens un manque, même si le monde entier t'aime. Quand tu ne ressens pas l'amour de ta vraie famille. Et j'ai invité le peuple Bassa Batimpo d'apporter cet amour à Samuel Eto'o parce qu'il en a besoin. Et vous avez vu ce que ça a donné. Il n'y a rien de plus fort que l'amour. Quand vous voyez autant de méchanceté sur la terre, c'est parce que ces gens combattent l'amour. Parce que quand il y a amour, rien ne peut s'effacer. Rien. Quand vous vous aimez, quand vous vous mettez ensemble, personne ne peut vous faire tomber. Rien. Vous ne pouvez même pas vaciller. L'union fait la force. Mais la vraie union fait la force. Et c'est ce que le peuple Bassa Batimpo est en train de démontrer ces derniers temps. Au-delà de nos clivages, nous sommes les meilleurs. On a besoin de ça. On n'a pas les mêmes. On ne partage pas beaucoup de choses ensemble. Je veux dire, religieusement, politiquement, on est différents. Mais il y a une chose qui nous réunit, qui est plus grand que nous. La grotte. Le jour qu'un Bassa oublie d'où il sort, c'est ce jour-là qu'il est mort. Le jour un Bassa oublie d'où il vient, c'est ce jour qu'il n'existe plus. Rien ne doit, c'est-à-dire, quelle que soit la nervosité, on doit penser à ça. Et ça, ça doit nous calmer. Parce que pendant longtemps, on nous a divisés. On n'a même pas compris pourquoi. Certains n'ont même pas réfléchi pourquoi. Mais on se divisait comme ça, pour rien. On montait les uns contre les autres. Pour rien, on se divisait. Mais il a fallu un moment. Comme je le dis tout le temps, même le mensonge a une date de péremption.
À un moment donné, on a compris qu'on ne doit plus nous mentir. Qu'on peut ne pas être d'accord. Mais on doit être ensemble. Pour des causes communes. Pour des causes de notre région. Pour des causes de notre tribu. Rien ne doit nous séparer. À ce niveau. Rien. Dans notre pays. Parce que quand on parle du Cameroun, on parle de Oumiobé. C'est une référence. Est-ce que Oumiobé était un voleur? Non. Oumiobé n'a jamais volé. Oumiobé a travaillé pour la libération. Notre pays que vous connaissez, quel bassa vous connaissez de voleur au Cameroun? Un bassa bâti pour donnez-moi le nom. Ça n'existe pas. Donc on doit être le peuple le plus fort du Cameroun. Parce qu'on ne se pose de rien. Et quand on décide de parler, on parle fort. Parce qu'on a des arguments. Parce qu'on est fort. Parce qu'on est propre. Par rapport aux autres. Ceux-là qui crient beaucoup. Ceux-là qui parlent beaucoup. Plus ils volent, plus ils parlent. Plus ils volent, plus ils parlent. Nous, qui sommes propres, on ne dit pas grand-chose. Mais aujourd'hui, on va dire des choses et ça va passer. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça passe. Tous ces voleurs qui sont dans des cellules au Cameroun, est-ce que vous avez vu un ambassade là-bas? Il n'y en a pas. Mais quand on parle de la libération du Cameroun, c'est là où on parle de Bassa. Quand ils se mettent à voler ensemble, ils n'appellent pas les Bassa. Mais quand on parle de la libération, là on parle du Bassa. Pendant qu'eux, ils volent, ils pillent, ça ne va plus se passer comme ça. Rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Je vous rappelle que Mayima Matip était le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un de vous sait où est sa tombe? Je ne pense pas. Est-ce qu'on parle même encore de lui? Je ne pense pas. Les personnalités de notre pays, ceux qui ont travaillé. Est-ce qu'un seul Camerounais sait où est la tombe de Mayima Matip? Non. On ne sait pas. On veut oublier. Mais comme le dit mon jeune frère Samuel Eto'o, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. Nos illustres héros, je les appelle comme ça. Parce que quand tu travailles pour ton pays, tu te donnes corps et âme, tu ne voles pas. Mayima Matip n'a jamais volé. Tonyé Mbork n'a jamais volé. Ils ne connaissent pas le vol. Mais on est en train de les oublier. Pourquoi? On parle des voleurs. On oublie ceux-là qui ont travaillé. Qui a dit ça? C'est pas possible. Ça ne se fera jamais comme ça. Ceux-là qui ont toujours travaillé à diviser le peuple Bassa, Batimpo, au jour d'aujourd'hui, j'espère que vous êtes en train de comprendre. C'est pour ça que vous êtes en train de trembler. Mais tremblez davantage. Parce que nous, on commence toujours petitement. On n'est jamais pressé. On n'est jamais pressé. Mais aujourd'hui, on connaît la vérité. Quand tu es un voleur, tu n'as pas droit à parler à quelqu'un de propre. Tu dois l'écouter. Parce que toi, tu as volé, on te connaît. Quand quelqu'un a travaillé de façon honnête, un voleur ne peut pas lui faire des reproches. Non. Mais on vit aujourd'hui dans un monde où c'est des voleurs qui ont la parole.
C'est des menteurs qui ont la parole. C'est des manipulateurs qui ont la parole. Mais tout ça va changer. Les voleurs n'auront plus de parole. Le peuple Bassa Batimpo a compris le jeu. Et aujourd'hui, on est en train de travailler. Et le travail dans l'interne a commencé. Et rien ne va plus l'arrêter. Et rien ne va plus nous diviser. Rien ne va plus nous diviser. Parce qu'on a compris la mascarade. Ce jeu, on l'a compris. Prendre un Bassa pour tuer un autre Bassa. Est-ce que quelqu'un de vous connaît la tombe de M. Kodok? Non. Personne. Qui c'est qui connaît son histoire même? Cameroun Airlines faisait référence à M. Kodok. Combien de Camerounais le savent? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Cameroun Airlines, à l'époque, on concurrençait les meilleures compagnies du monde. C'est M. Kodok. Qui parle encore de lui? Quand d'autres sont venus, c'était pour voler et pour après faire disparaître la compagnie. Donc tous ceux-là qui ont travaillé, qui sont morts aujourd'hui, oubliés. Non, l'histoire est têtue. On va écrire la vraie histoire. On va écrire la vraie histoire. Votre histoire que vous fabriquez là, c'est pas ça qui va passer. C'est la vraie histoire qui va passer. Et l'histoire du Cameroun se réfère au peuple Bassa, qu'on le veuille ou pas. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on sache dans notre pays qu'on parle beaucoup de tribus. On ne va défendre ça à personne. Parce que pour être fort, il faut commencer à être fort dans ta famille. Si tu ne prends pas les forces au sein de ta famille, tu ne seras jamais fort. Parce que quand tu te croiras fort, ceux-là qui t'ont fait fort, qui ne font pas partie de ta famille, te feront tomber le moment venu. Mais quand tu pars avec la force de ta famille, les étrangers-là ne peuvent pas te faire tomber. Parce que le vrai soutien sera de la famille. Et c'est comme ça que le Bassa a été manipulé depuis un moment. Mais c'est fini. C'est fini. Ces illustres Bassa que je vous ai cités, qui c'est qui connaît même leur tombe? Même quand leurs anniversaires passent, on n'en parle pas. Est-ce qu'on efface l'histoire? Non. Il y a des faits qui sont là. On peut restituer la vraie histoire. Celle que vous fabriquez, elle n'a pas d'argument, elle n'a pas de preuve. Il n'y en a pas. La vraie histoire est là. Elle est muette, mais elle est là. Et le moment venu, vous allez la respecter. Donc ce qui s'est passé à Berlin, ce n'était pas un hasard. C'est pour ça que je vous ai demandé d'appeler Amer Kamer. Parce que j'ai dit ici, sur cette toile, pour rien au monde, je ne traverserai le sang d'un Bassa, Batimpo. Je ne traverse pas ce sang. Je ne le traverse pas. Je ne peux pas. Je vais prendre les balles, comme on dit. Je vais même me faire du mal à conserver cette histoire, Bassa, qui voudrait que le Bassa ne doit plus tuer son frère. Le Bassa ne doit plus contribuer à la mort de son frère. Le Bassa ne doit plus participer à la mort de son frère. Non. C'est du passé, ça n'existe plus. Mais il y a des gens qui ont encore ce cœur à se laisser manipuler. Il y a encore ces quelques Bassa qu'on arrive à manipuler, qu'on amène à faire du mal.
à leurs frères et sœurs. Mais ça, c'est du passé. Il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Parce que si moi j'existe, si j'ai la force de parler, parce que je ressens des témoignages, quand vous rencontrez des personnalités comme je les ai rencontrées ce week-end, qui vous disent, mon frère, ce que tu fais est bien. Mais, il y a un mais. Tous m'ont dit la même chose. De Cabral à l'écrivain, à notre légendaire maire, au président de la Dynamo. Ce que tu fais est bien, mais arrête de te mélanger à la racaille. Tu ne peux pas, c'est-à-dire même Jésus n'a pas pu sauver le monde. La mission, quand tu es venu sur la toile, on a compris. Mais ce que toi, tu n'as pas compris, c'est que tu ne peux pas sauver le monde. Tu ne peux pas éradiquer les voleurs. Tu ne peux pas éradiquer les menteurs. Tu ne peux pas éradiquer les waka. Tu es dans la dénonciation. Dénonce et tu passes. Donne des conseils. Ce que tu as créé comme PTT, c'est très important. J'ai dit donc, vous aussi, vous avez le temps de me regarder. Ils me disent, on te regarde même beaucoup. Mais quelquefois, on n'est pas d'accord avec toi. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas. Tu ne peux pas te mélanger, tu ne peux plus te mélanger. Quand je passe un week-end avec des nobles personnes comme Cabral Libi, comme Gaston Kelman, comme notre maire, comme le président de la Dynamo, sans oublier mon illustre Kinguin, le jeune Étoile Mongom, la Queen, et tous ces bassas qui m'ont dit, tu dois rassembler tes frères et sœurs. On t'a donné la responsabilité. Dans ce mouvement qui s'appelle Dabikoko, tu as une grosse responsabilité. Donc tu ne peux pas te battre avec tes frères. Parce que les autres ne se battent pas avec leurs frères. Même quand leurs frères ont chié, on camoufle ça. Et si j'ai appelé Amer Kamer tout à l'heure, parce qu'ils m'ont dit, ils ont apprécié. Ils ont apprécié la façon dont j'ai géré ce problème. Parce que si je ne vous en parle pas, ce sera de l'hypocrisie. C'est quelque chose que tout le monde a vu. Et je dois vous en parler parce que il y en a certains d'entre vous qui ont eu beaucoup de mal, même plus que moi. Parce que moi, les flèches, je sais les prendre. J'ai décidé d'affronter le monde obscur. Et quand tu affrontes le monde obscur, tu t'attends à toutes les flèches. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Et je suis trop prêt. Mais très souvent, c'est mon entourage qui quelquefois prend des coups. Parce qu'ils ne sont pas aussi prêts que moi. Donc vous avez vécu ça. Et si je n'en parle pas, ce sera de l'hypocrisie. Amer Kamer a zaillé. La famille. La famille Dabikoko. La vraie famille. Là où il n'y a pas de grand ni de petit. Là où il n'y a pas de docteur, de médecin. Non, on est juste manyang. Même la famille a vu. Amer Kamer a fait ce qui a lieu de faire. Amer Kamer, c'est mon petit frère. Je ne peux pas traverser son sang. Il a zaillé.
Mais je ne peux pas le jeter à la vindicte populaire comme les gens ont voulu, comme certaines personnes ont voulu. Je ne peux pas le jeter à la vindicte populaire. Je vais le défendre comme mon frère. Mais j'espère qu'il a compris. Et je sais qu'il a compris. J'espère qu'il a compris. Et je sais qu'il a compris. Et c'est ce que tous les Bassab Atimpo devraient comprendre. Nos problèmes désormais se résolvent à l'interne. On ne résout rien sur la toile. On dénonce les vraies choses. On ne vient pas mentir. Non, quand on parle vrai. Ne vous fiez pas à ces moutons de Panus qui quelquefois vient et crie, essaye de perturber un vrai discours. Ce n'est pas parce qu'ils crient beaucoup qu'ils ont raison, non. Ils n'ont jamais raison. Ils crient beaucoup, mais ils n'ont jamais raison. Donc mon petit frère a zaillé. Mais je n'ai pas joué à son jeu parce que je suis son grand frère. J'ai dit le petit en train de zailler. Et il a compris. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Ça se résout à l'interne. Jamais plus ici. Facebook n'est pas un tribunal. Encore moins un tribunal des Bassab Atimpo. Non. Ça ne veut pas dire qu'on peut être ami avec tout le monde, tous les Bassab, non. On peut ne pas se comprendre. On a nos divergences. Mais on a quelque chose qui nous lie, qui est plus fort que tout ça. Et quand on se réunit pour ça, on oublie les autres. On oublie ce qui nous sépare. On parle de ce qui nous unit. Et c'est le Ndab Bikoko qui nous unit. Donc il fallait que je vous parle d'Amer Khamer de façon publique. Parce que certains d'entre vous ont eu beaucoup, trop mal. Mais c'est la vie. Et la vie, il faut la prendre du bon côté. Quand tu aimes quelqu'un qui se trompe, qui se perd, il faut prendre le temps de lui parler. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui ont besoin qu'on leur parle beaucoup, 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 beaucoup pour qu'ils comprennent. Dont la famille est sacrée. Je le dis très souvent. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est très vrai. La famille est sacrée. On a un proverbe de chez nous. J'espère qu'il est de chez nous. J'espère qu'il est de chez nous. Quand c'est dit en bassa, c'est mieux dit Mathiel Magnon ou Tchormana ou Milimana. Mathiel Magnon ou Tchormana ou Milimana. Donc quand tu te blesses, je vais dire dans la bouche, pour le dire vraiment, de la traduction vraiment simultanée, quoi. Le sang de la bouche, tu rejettes un peu, ou alors tu rejettes même beaucoup, et tu avales toujours un peu. C'est ça la famille. Donc plus jamais, on ne va se faire ces choses en public. Et la transition, c'est pour vous dire que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir éduquer. J'ai perdu beaucoup de temps à vouloir trop parler à des gens qui ne comprendront jamais. Parce que c'est ceux qui ont étudié l'être humain. Ceux qui ont fait de grandes études même, qui m'ont expliqué que tu ne peux pas changer le monde. Et que tu as d'autres priorités. Et que ces priorités-là, on te voit là. Et c'est là-bas on voudrait que tu sois. Parce que là-bas, il n'y a pas ton pareil. Tu es le meilleur. Et on aime ça. Donc vous comprendrez que la racaille m'a beaucoup sali.
Mais comme je suis monsieur propre, quand je remets mes vêtements, je suis propre. Après la bagarre, je m'habille de nouveau en blanc et je suis propre. Et il n'y a aucune tache qui reste. Et ça ne souffre d'aucune contestation. C'est comme ça et pas autrement. Le seul monsieur qui ne se reproche de rien sur la toile, il n'a jamais volé. Il n'a jamais fait le Congosa. Il n'a jamais arnaqué. On essaie toujours de coller, mais ça ne donne pas. Il sort tous les matins, il va travailler. Quand il veut s'amuser, il paye avec sa vraie carte. C'est de ça qu'il s'agit. On essaie de coller, ça ne donne pas. Et c'est ce qu'il me demande d'être, de rester comme ça. Dans la famille, je vous ai dit dans un live que désormais et dorénavant, j'assume ce qu'on appelle, ce que vous appelez le Ndjansam. J'ai investi. On a dit que quoi? On a dit que organique. On a dit que organique. Dans le organique là, il y a les organes dedans. Dans organique là, il y a les organes dedans. Donc je vous annonce que les quatre gammes Star Beauty sont sorties. Vous avez vu sur la page. C'est lancé. Donc je n'ai plus le temps pour... Ma femme et moi, on a décidé maintenant, parce qu'on a mis beaucoup d'argent là-bas. On ne s'amuse pas là où on met l'argent. Est-ce que c'est faux? Donc vous me voyez en train de mettre l'argent là-bas et laisser où je mets l'argent pour aller parler aux fous, que même les psychiatres n'arrivent plus à parler. Non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Mais là, ma pornion, ma harmonie, c'est important. Donc maintenant, là, c'est Star Beauty le matin, Star Beauty le soir, Star Beauty dans la nuit. Et on a dit que organique. Donc il y a les organes dedans. Mettez les organes dans Star Beauty. Parce que je peux vous annoncer que le 16 octobre, sur la place parisienne, ça va être le sortie officielle. Star Beauty. Mais sinon, elle est là. La Star Beauty est déjà là. Vous pouvez commencer à commander et commencer à vous mettre bien avant même la date du 16. Parce que le 16, vous me voyez, non? L'été est passé, non? Est-ce que vous me voyez, non? Parce que nous, on a d'abord testé sur nous-mêmes. Homme comme femme, Star Messana n'a oublié personne. Tout le monde va se retrouver dedans. Et c'est des prix qui vont battre toute la concurrence européenne. Est-ce que vous m'entendez? Des prix qui vont, c'est-à-dire, pas de concurrents. C'est-à-dire, on va fracasser. C'est-à-dire que on va déblayer le chemin. C'est-à-dire que c'est céder le passage. Star Beauty, c'est céder le passage. Le car qui part. Le 16 octobre à Paris. C'est la magie. C'est la magie. Dans mon énergie, là, je vais mettre 95% là-bas. Parce que c'est nos poches qui travaillent là-bas. Est-ce que c'est faux? De vous à moi, est-ce que je mens? Vous voyez là où moi je suis réel avec vous? Est-ce que je mens? J'ai mis là-bas. On doit parler de ça. Merci Vanessa. Ça se voit. Ça ne manque pas. Je dis que ça ne manque pas. Tant pis pour ceux qui ne vont pas essayer.
Les autres vont se moquer de vous. Star Beauty va battre. C'est-à-dire, il n'y a pas de concurrent même immédiat. Il n'y en a pas. Cliniquement testé. Et s'il vous plaît, appellation contrôlée. Appellation contrôlée. On ne rigole pas. Donc tu essayes de prendre Star Beauty là. Tu vas te justifier. On n'est pas dans la rigolade. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? Dans les hommes là, qui aiment bien entretenir leur peau, pas la blanchir, hein, mais entretenir la peau, vous êtes la bienvenue. Sur ce, la famille, merci Coquette Bisous. Je sais que toi, tu attends depuis longtemps, tu sais. Toi, c'est la famille, tu sais comment ça se passe. Sur ce, la famille, le numéro est sur la page. Commencez avant le 16 octobre, parce que ça va être la fin des temps. Les autres n'auront que des yeux pour pleurer. Et nous, on va changer les vies des hommes et des femmes. Voilà la famille. Tout en vous souhaitant une très bonne nuit. Merci d'avoir répondu à l'appel. Merci d'être venu. J'en ai profité pour souhaiter ou alors pour dire à mes frères de Nabikoko que je suis bien arrivé et que la synergie là, c'est fini. Le car est parti. Le peuple Bassa-Batimpo va retrouver cette lettre de noblesse, de gré ou de force. En tout cas, nous, on n'est pas pressés. On fait toujours en notre temps. Je vous ai dit la dernière fois, prenez l'exemple sur le peuple de l'Ouest. Un peuple qui connaît la solidarité. Un peuple qui ne trahit jamais les siens. Même si sa main est dans le sac, il vient te dire que ce n'est pas sa main. Nous tous, on voit sa main. Il vient te dire que ce n'est pas sa main. Quand c'est bien, il faut apprécier ce côté de l'Ouest. Je vous tire chapeau. Et j'aimerais que le peuple Bassa-Batimpo en fasse de même. On n'a jamais honte de tricher le bon exemple. La solidarité, c'est le bon exemple. On doit d'abord soutenir son frère et lui demander après que qu'est-ce qui s'est passé. Mais pas devant les gens, c'est fini. Sur ce, la famille, je vous souhaite une très bonne nuit, un bon début de semaine. On est ensemble, Star Beauty est là. Les trois gammes qui changent la vie des hommes et des femmes qui entretiennent leur peau parce qu'il y a du glycosium dedans. Je vous ai dit que c'est organique, donc il y a les organes. Merci au PTT, merci aux justiciers. Je vous rappelle encore une fois de plus, les PTT feront deux dons cette année au Cameroun, au mois de novembre. Ça aussi, c'est du hélélé. Ça va être grave. Donc, on est ensemble, la famille. One peace, one love. Merci au PTT. Merci aux justiciers. Merci à vous tous qui êtes venus là ce soir pour écouter le message. J'espère que c'est bien rentré là-dedans et que vous êtes sortis d'ici avec quelque chose parce que désormais, on doit faire des lives où quelqu'un sort avec quelque chose. On n'est plus dans le Congo, ça. Bonne nuit à vous, la famille. On est ensemble. One peace, one love. Bye bye. Ciao, ciao.